du coup je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc je crois qu'on est au vlog numéro 16 et donc là ça va être un vlog, je viens de rentrer de chez Marie, donc du week-end que j'ai passé, enfin de 3 jours que j'ai passé chez Marie. Donc le vlog, c'était d'ailleurs le vlog numéro 15, donc si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller le voir, je vous mets dans le petit juste ici. Et donc là je viens de rentrer et on est toutes les deux après ce week-end motivées comme jamais. Et du coup là je vous fais ce petit vlog créatif simplement pour vous montrer toute la préparation qu'il va y avoir derrière les vidéos de l'été, puisque j'ai la chance de pouvoir partir cet été les 2 mois, donc je ne serai pas là et je ne reviens pas chez moi pendant 2 mois. Donc pour qu'il y ait des vidéos, il va falloir que je les prépare, et ça avec une grande efficacité, donc voilà, parce que j'ai à peu près une semaine pour le faire. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette semaine qui, je pense, va être assez chargée en vidéo création et tout ça. Donc c'est parti et je vais commencer tout de suite par vous montrer les premières choses qui arrivent. Aujourd'hui je vais filmer le haul du coup de tous les achats que j'ai fait chez Marie, donc en Vendée. Ensuite vous montrer comment je vais préparer le restock des Kid Miyuki puisque je vais les lancer demain. Et également faire un petit unboxing de ma commande chez Ectomorph. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça pour aujourd'hui et c'est parti. Le voir un peu une vue d'ensemble des achats. Je vais pour l'instant clairement le bazar, mais je vais trier ça pour que ce soit plus pratique pour faire le haul. Et voilà, je crois qu'on peut dire que j'ai craqué. C'est parti, maintenant je vais partir filmer tout ça. Et c'est une fin de tournage. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai terminé de tourner le haul. Donc voilà, je vais exporter tous les fichiers et tout ça ce soir, commencer le montage de certaines vidéos pour être avancée, et je vais tout de suite là, bah déjà je vais tout ranger et après je vais vous faire le petit unboxing, j'ai trop hâte, elle est là de ma commande sur la boutique d'Ectomorph, voilà, de ses nouveautés. Donc j'ai juste trop hâte, depuis tout à l'heure j'ai juste ouvert, mais j'attendais vraiment de pouvoir trouver le moment dans ce vlog pour vous le montrer également et vous partager un petit peu ce que j'ai commandé sa boutique. Et voilà, j'ai trop hâte, donc je vais m'empresser de ranger pour vous montrer tout ça. Donc voilà du coup comment ça se présente, je voulais juste vous faire un petit topo à la face caméra. J'ai commandé du coup une illustration et des stickers, donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Mais voilà, je trouve vraiment l'effort d'emballage incroyable. Donc c'est vraiment super sympa, et pour suivre vraiment tout le travail qu'il y a derrière, parce que bah, je la suis sur Instagram, YouTube, et je vous conseille vraiment d'aller le faire si vous ne la connaissez pas. Mais voilà, parce que c'est pas du tout l'univers, comme je l'ai déjà répété et je l'ai dit dans ma vidéo inspiration, c'est pas du tout de la fimo qu'elle fait, mais voilà, elle est illustratrice mais je trouve son univers hyper inspirant. Elle est vraiment super inspirante comme personne, j'adore. Donc voilà, je trouve que c'est important de soutenir également des créateurs. En étant un peu une petite créatrice, on va dire, à mon échelle, bah, je trouvais que c'était sympa. Et puis c'est pas la première fois que je commande et je suis juste fan en fait de son travail. Et en plus, comme elle change de style, c'est encore... elle a changé de style, donc ça va être encore des choses uniques et assez différentes de ce que j'ai pu prendre la première fois, tout en gardant vraiment sa patte. Donc voilà, je vais vous dire tout ça là en face caméra, mais je vais tout de suite passer plus proche pour vous puissiez voir. J'ai juste trop hâte, c'est une torture vraiment depuis tout à l'heure, j'ai trop envie de voir en vrai ce que ça donne, ce que j'ai commandé. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est vraiment trop beau, je vais essayer d'enlever ça délicatement pour pouvoir garder l'illustration, parce qu'en plus on a vraiment une illustration en plus, là une illustration de ça. Mais en fait on commande 2-3 petites choses et on a plein de choses en plus, donc c'est génial. Et voilà, cette illustration très inspirante. En fait, si vous suivez mes vidéos, je vous montre. J'ai essayé de réaliser des petites choses en m'inspirant de ces motifs-là. Le papier de craft, comme tu dis, enfin papier de soie plutôt. Donc il y a tout d'abord la grande illustration que j'ai commandée. Donc j'ai commandé celle-ci. J'adore vraiment les couleurs et le style. Voilà, ce style-là, j'adore. En plus, là, on peut voir que vraiment, en plus de tout ce que j'ai acheté, j'ai juste pris ça. Donc les stickers que je vais vous montrer après. Mais j'ai eu tout ça en plus quoi, enfin c'est juste incroyable. Une petite illustration comme ceci, celle-ci, hop, avec une montagne, donc tout, bien sûr, et sa jolie carte. Voilà, c'est la deuxième que j'ai, et du coup celle que je vous ai montrée précédemment.
Et je vais voir du coup le petit sachet dedans, il y a les stickers. J'ai absolument pas réussi à ouvrir correctement. Et donc voilà les petits stickers que j'ai, donc le look de stickers qu'elle a créé avec ses motifs, vraiment son style, hein, les petits portraits comme ceci, les motifs qui sont un petit peu son nouveau style, on va dire, représentatif de son nouveau style de dessin. Et voilà, juste trop contente, je vais pouvoir mettre partout. Donc voilà pour ce que j'ai commandé. Voilà tout ce que j'ai eu en passant ma petite commande sur la boutique d'Ectomorph. Je suis vraiment trop contente. Donc voilà pour ce petit unboxing. Et voilà ma tête durant tout l'unboxing. Je suis trop contente, voilà. Et je vais accrocher ça partout. Donc voilà, si vous la connaissez toujours pas, cette créatrice, je vous invite vraiment à la suivre et à la soutenir parce que, enfin, voilà, je suis ravie. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir reçu mes petites illustrations, mes petits stickers. Et puis, bon bah, le vlog continue. Donc du coup, maintenant, j'ai passé la soirée, il est presque 20h. Sur les kits Miyuki pour que demain je puisse sortir le restock des kits et les nouveaux que j'ai préparés. Du coup tout est là, il y a également des nouvelles couleurs, voilà des nouvelles couleurs, des nouveaux petits éléments. Je pense pas que ça arrivera, au moins il y aura les kits, nouvelles couleurs, peut-être pas les pompons, je vais voir ce que j'arrive à mettre. Du coup on est vendredi, j'aimerais bien mettre le restock du coup demain samedi et comme ça suivre avec vous bah si ça fonctionne, si j'ai quelques petites commandes que je pourrais vous montrer, préparer. Et du coup voilà, j'ai préparé tout ça en fait avant de partir chez Marie. J'ai préparé les kits, fait toutes les photos pour les nouveaux. Voilà, donc j'ai fait tout ça, c'est là dans ma petit panier stock. Et puis bah voilà, rien n'est fermé pour l'instant, mais une fois que tout sera en ligne et que ce sera lancé, on verra bien comment si ça vous plaît, si voilà le restock mais ça fonctionne, on verra tout ça. Mais du coup là, je vous prends avec moi tout pour vous montrer les backstage de tout ça. Maintenant que toutes les photos sont prises, tout est sur l'ordinateur et donc je vais vous montrer les retouches photos un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup parce que maintenant avec le nouvel appareil j'ai plus de retouches que je peux faire directement sur l'appareil photo, donc faire des photos beaucoup plus nettes, beaucoup plus blanches. Voilà. Du coup je vais vous montrer, je vous montre les photos que j'ai prises de ces petites choses là et du coup les fiches produits que je vais faire ce soir ou demain matin, voilà, ou un peu des deux pour que ce soit prêt et que j'ai mis un maximum de choses. Midi je pense ce sera sorti et en attendant bah je continuerai les vidéos. Donc voilà, c'est très productif en ce moment. J'espère que ça va continuer comme ça pour mon retour. Parce que vraiment la semaine avec... enfin les 3 jours avec Marie, tous les deux on est revenus de plus inspirés et encore plus motivés. Donc voilà, là on est parti et trop motivés, donc c'est trop bien. Et donc on continue, je vous montre tout ça parce que... pour partager quoi. Ce vlog du coup on est dimanche, voilà, hier j'étais sur Paris donc j'ai pas je vous ai pas vlogué de choses pour ce vlog créatif, mais du coup je vous reprends là. Du coup ce matin j'ai travaillé sur la vidéo de nouvelle création de semaine créative, donc j'avais plein d'idées à faire avec les restes de pâtes et tout que j'avais du coup pour faire une vidéo assez complète et vous montrer plein de créations inédites de la semaine créative. J'avais encore des petites choses à faire et du coup là c'est en train de résiner, donc je vous ai montré toutes les étapes ce matin. Je vous laisse avec les images.
avant, donc je vous ai montré tout ce qui s'est passé ce matin. Et donc là je vous reprends puisque la résine est en train de sécher, les vernis en train de sécher également. Et avant d'attaquer du coup le montage, je pense ce soir et demain pour la résine quand ce sera sec, je vais passer au décor et à certaines vidéos. Donc comme je vous avais dit, je voulais changer le décor qu'il y a juste ici, faire quelque chose de beaucoup plus estival. Et donc pour cela j'ai devant moi ma commande Ectomorph. Du coup je vous ai montré tout ça et je vais utiliser des petites illustrations et tout pour les mettre pour ce décor là, ainsi que d'autres petites choses que j'ai. Donc voilà, je vais faire tout ça et je vais vous montrer l'avancée, et après je pourrai tourner des petites choses avec ce nouveau fond. Donc voilà, j'ai déjà commencé par enlever tout ça et refaire. Déjà je sais clairement que cette illustration là ira, sera un peu l'élément principal de la composition que je vais faire. Donc je vais tout faire vraiment autour de ce ton là et de cette illustration là. Voilà. Du coup je vais également prendre toutes ces photos, enfin voilà, c'est plein de lots en fait de posters photos que j'ai trouvé chez Action. Donc voilà, j'en avais la plupart qui étaient sur mon ancien décor venaient de ces lots là. Et du coup là pareil, je vais en trouver, il y en a certains, j'ai quelques idées que je pourrais mettre, sont vraiment bien dans les tons. Donc voilà, je vais regarder et en sélectionner quelques-uns également de ces lots là. Donc voilà, après avoir fouiné un peu partout chez moi, ce que j'ai trouvé. Voilà, donc plein de petites choses qui je trouve mis comme ça sans vraiment placement, ça fait un bel ensemble. Donc c'est sur ça en fait que je vais partir, et maintenant je vais m'éclater et essayer de trouver une belle disposition. Donc voilà à peu près le placement que j'aimerais obtenir. Donc c'est parti, je vais placer tout ça sur le mur et je vous montre le résultat. Vraiment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment trop hâte d'avoir vos avis sur ce nouveau petit décor voilà, qui fait également partie de la décoration de ma chambre. Et personnellement voilà, j'aime plutôt bien puisque l'autre était plus sombre un peu, donc c'est bien pour le reste de l'année, mais là pour l'été et tout je trouve que ça change, ça redonne un petit peu de peps et franchement c'est génial. Donc j'aime bien la composition, j'espère que vous aussi. Et du coup maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à filmer. Donc voilà, j'ai ouvert en grand ma fenêtre, j'ai sorti les parapluies blancs. Je suis en train de faire un test en fait en fonction si c'est mieux parapluie blanc ou parapluie argenté. J'ai installé le trépied et c'est parti, j'ai 3 vidéos d'intro à filmer et une où c'est complet, donc c'est parti. Donc voilà toutes les vidéos que je voulais tourner sans tourner, donc je suis trop contente. Il est... ça je vous dis jamais vraiment l'heure pour opérer, mais là il est 19h, du coup j'ai une bonne heure pour préparer les commandes. Donc aujourd'hui j'ai eu 3 commandes, donc je suis juste trop contente. Donc comme vous avez pu voir hier, les kits Miyuki sont sortis et du coup j'ai eu une commande de bijoux, donc je suis trop contente parce que c'est une grosse commande de bijoux et ça faisait super longtemps que j'avais pas vendu quelques bijoux et ça me fait trop plaisir. Et également 2 commandes avec des kits Miyuki et d'autres petites choses. Du coup voilà, je vais préparer ça maintenant et je suis vraiment contente parce que ça montre que ça vous plaît vraiment les kits Miyuki. Donc voilà, j'en ai créé des nouveaux également pour la sortie de ce restock on va dire. Et d'ailleurs c'est eux qui sont, les 2 nouveaux que j'ai sortis sont déjà partis. Donc voilà, je vais préparer tout ça et voilà. J'avais d'autres choses de prévues, mais du coup là je suis contente comme j'ai pu vous montrer, j'ai terminé le montage.
montage, enfin j'étais en plein montage toute l'après-midi là pour toutes les créations que j'avais fait en plus de la semaine créative, donc avec tous les combos de couleurs, etc. Donc j'avais, comme je vous ai dit, envie de vous montrer plein d'autres créations, donc c'est pour ça va prendre un peu plus de temps. Et du coup elle n'est pas arrivée tout de suite après la semaine créative, quelques jours après. Mais du coup voilà, j'ai ma bannière qui est remplie de créations que j'ai réalisées là cette semaine. Donc, je suis trop contente. Après le tournage de ce vlog, c'est trop bizarre, mais bon, du coup je me suis rendu compte que je vous avais pas filmé la fin, mais comme ça je vais pouvoir vous expliquer pourquoi tout simplement ce vlog là date du 3 juillet, va être posté la début septembre, tout simplement parce que j'ai réussi à planifier pour cet été donc une vidéo par semaine, sauf que et ce vlog là ne rentrait pas dans ces vidéos là tout simplement, mais j'avais quand même envie de vous le poster. Donc c'est chose faite maintenant. Là du coup je vais rattraper, j'ai plein de vidéos à faire et tout avant la rentrée, puisque je rentre le 21 septembre, mais je pense vous parler de tout ça plus précisément dans un vlog que je vais entamer aujourd'hui, un vlog un petit peu de rentrée, puisque je suis rentrée il y a quelques jours de vacances. Donc je prépare le tournage du vlog de notre road trip, voilà, de cet été. On va pouvoir montrer tout ça, comme ça vous sachiez où j'étais pendant ces 2 mois-là et vous faire une belle vidéo de voyage comme je fais chaque année, qui j'espère vous plaira. Donc voilà, ce sera une des prochaines vidéos qui arrive, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis je voulais du coup terminer ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les backstage de toutes les vidéos qui ont été préparées pour ces 2 mois où je n'étais pas... Bah, vous n'étiez pas chez moi, voilà, tout simplement. Et donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut !